Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le 18 octobre. Bon, ben là, je viens de débloquer le Battle X23. Goupelin. Delphox. Et j'ai 30 secondes pour réussir le niveau et avoir une chance de capturer ce Pokémon de type feu. Là, je suis rendu à mon deuxième essai. J'ai manqué mon premier en voulant voir à quoi ça avait de l'air tantôt. Puis j'ai vu que c'était un petit peu compliqué sans retard d'entrave et méga départ. Et puis, il y avait aussi un Pokémon en plus qui était Roussil. Je vais utiliser mes meilleures options pour pouvoir réussir en 30 secondes. Car il manquait au moins, je vous dirais, peut-être 600 HP, peut-être environ, je vous dirais, au moins 600. Je dirais au moins 500 pour être sûr de mon affaire. Ok. Allons-y. Allons voir la Battle X23. Et voilà, c'est fini. Bon, fini en 17 secondes. Donc environ 6000 HP pour Delphox. Bon, allons voir maintenant la jauge de capture maintenant pour 13 secondes. De 1, c'est sûr, jusqu'à 41. Waouh! Intéressant. 1. Ben non, c'est... Jusqu'à 82. Bon. Là, je peux utiliser 3 Super Balls. J'espère que je ne serai pas obligé d'en utiliser un deuxième. Allez, let's go. Je vais essayer de le capturer. 1, 2, 3. Est-ce que c'est réussi? Oui! Capturé. Et rang A. Mais il aurait fallu que je termine en moins de 15 secondes si je voulais avoir une chance d'avoir un rang S. Là, j'ai fini en 13 secondes. J'ai fini en 17 secondes. Fait que c'est pour ça que j'obtiens un rang A. Il aurait fallu que je sois bien chanceux avec mes combos pour pouvoir avoir un rang S. Bon, alors maintenant, Goupelin augmente les dégâts des combos de type feu. Hein, parfait ça. Mais il semble que c'est le premier des Pokémon qui a cette capacité-là de pouvoir augmenter les dégâts combos de type feu. Mais il semble que c'est le premier. C'est fun ça. Il me reste juste à peut-être à tester voir jusqu'à combien qui augmente les combos des types feu comme Godwin, Draco Feu, Moltres, etc. Bon, ben ça sera tout pour aujourd'hui. On se rejoindra demain pour les mises à jour.